Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une présentation de matériel. Donc aujourd'hui, le matériel en question, ce sont des feutres à alcool. C'est la première fois que j'en présente sur ma chaîne. C'est un matériel que je n'utilisais pas jusqu'à présent. C'est la marque Coloria qui m'a gentiment envoyé ce set. Donc il s'agit des 28 marqueurs de la gamme Pastel. Donc voilà, on va les tester ensemble. Comme d'habitude, je vais vous faire d'abord le nuancier que j'ai préparé à l'avance pour gagner du temps. Et ensuite, je vais sélectionner un colo. Je ne vais pas faire entièrement le colo au feutre à alcool. Ce n'est pas ce que l'utilisation que je recherche. Par contre, je cherche à en faire une base. La base de mon coloriage. En plus, comme ce sont les teintes pastel, elles sont suffisamment claires. Ça, c'est très très chouette. Donc je vais m'en servir de base sur mon colo pour ensuite passer au crayon par-dessus. Et j'espère ainsi pouvoir gagner du temps. Si c'est le cas, c'est pas impossible que je n'investisse pas dans le reste de la gamme. Parce que je me suis longtemps posé la question et j'en ai beaucoup parlé avec des colocopines. Voilà, qui s'en servent aussi de cette façon. Donc sans plus attendre, je commence le nuancier. Je vous le mets en accéléré. Déjà un, parce que j'ai des allergies, je renifle du nez, je trouve ça insupportable, je suis désolée. Et de deux, parce que bah, ce sera...
Donc voilà ce que ça donne. C'est un nuancier qui contient très peu de couleurs. Voilà, c'est la petite gamme des 28 pastels. Donc c'est sûr que l'éventail de couleurs n'est pas très large. Mais néanmoins, on a voilà, quelques roses, quelques jaunes, vert, bleu, rose, violet, un peu de marron et un peu de gris. Je vais essayer de voir avec ça quel coloriage je peux faire en m'en servant de base sur le coloriage. Je vous montre ensuite le rendu une fois le coloriage fini et je vous donnerai du coup mon impression sur ces feutres.
Me revoilà. On se retrouve donc quelques jours plus tard. J'ai pas pu vous faire de speak to coloring comme la dernière fois parce que bah, du coup le colo m'a pris énormément de temps. Enfin, c'est relatif, mais c'est surtout qu'avec les ponts de mai, il y a des fois où j'étais absente. Puis les autres fois, bah, j'ai travaillé pour compenser l'absence de mes collègues. Du coup, voilà, un mois compliqué pour trouver un peu de temps pour colorier. Néanmoins. Voilà ce que ça donne, donc avec le fond, avec les marqueurs à alcool et par-dessus la mise en couleur ensuite au crayon de couleur. J'ai beaucoup aimé cet exercice, très sincèrement. Vraiment, c'est un exercice que je vais reproduire parce que je trouve que ça facilite en fait la mise en couleur. D'avoir une base au feutre à alcool, et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis parce qu'on me l'a dit. Très souvent, mais je me suis jamais lancée en fait, et c'est que grâce à Coloria, du coup, que j'ai pu tester cette technique de faire donc mon petit aplat. Voilà, je m'en sers pas pour colorier le collant en entier parce que par contre, j'ai aucune technique au niveau des feutres à alcool, donc de cette façon, je l'aurais pas rendu justice. Mais en m'en servant en tout cas pour faire la base de mon colo, ben, je trouve qu'après, l'aplat de couleur se fait beaucoup plus facilement. Sans ça, bah, il m'aurait pris encore plus de temps. C'est un coloriage du coup que j'ai adoré faire. Et en fait, quand j'ai reçu les feutres, je ne savais pas du tout sur quel colo me lancer. C'est en voyant la story de ma copine Nejda voilà, que j'embrasse si tu passes par là. Neige Colo qui a fait une version absolument magnifique et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de faire cette mise en couleur. Et je me suis dit, bah, allez, c'est elle en plus. Qui me parle souvent des feutres à alcool. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser cette méthode, je vais faire un aplat et je vais voir ce que ça donne. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Les marqueurs sont très agréables à utiliser. Ils sont pas odorants, comparé à ce que à d'autres marques dont j'ai entendu parler où on disait que l'odeur était très forte. Là, j'ai pas du tout été embêtée par ça. La pointe broche, comme toutes les pointes broches, est très agréable à utiliser. Et pour le colo, bah, clairement, ça m'a facilité la vie. Moi qui colorie comme un escargot et qui n'ai pas eu récemment beaucoup de temps pour colorier, bah, voilà, ça m'a grandement aidée. Et je suis très très contente du rendu final. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous mets concernant les feutres à alcool, bien entendu, toutes les informations en barre d'infos. Si jamais vous avez bah, d'autres questions, des compliments, j'y répondrai avec plaisir en commentaire comme d'habitude. Et puis, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Portez-vous bien et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Bye!